Allez, on voit les voitures, c'est déjà un bon début. Hop, on va laisser en intervalle, activer, activer, on va faire les pneus. Et du coup, chaud qui part bien en blanc. Et crâne d'eau en rouge, et puis après, ça. C'est full jaune jusqu'à l'ennemi. Normalement, crâne d'eau qui devrait avoir un meilleur départ que tout le monde autour. C'est pas impossible qu'il prenne la tête des premiers virages. Les feux vont s'allumer pour le premier départ de la Corruptor Cup. Et voilà, c'est ce que j'ai dit, forcément. Ça s'élance mieux avec des rouges, mais chaud qui tient toujours le... Ouf, oh derrière, oh putain. Au secours derrière. Ah bah ça se touche de partout. La voiture de sécurité virtuelle carrément. Par contre derrière on a eu des dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a perdu quoi? Pixel, je crois qu'il a plus d'aileron. Il a encore son aileron. Par contre il y a eu des dégâts pour Frost Steel. Il El Gringo qui a fait un tout droit. Ah bah El Gringo qui a plus d'aileron. Ok. Beaucoup de dégâts. Par contre Crando du coup qui a perdu sa place. Donc il a dû l'avoir à la réaccélération. Devant la safety car virtuelle qui vient de se lever d'ailleurs. Et pour l'instant qui est la première position mais qui va se faire attaquer par Crando. Faut qu'il attaque de suite hein, Crando. Il a l'air de manquer un peu de vitesse. Tardif peut-être, il l'emmène bien à l'extérieur. Belle protection de Shaw. Il y a beaucoup d'arrêts au stand hein, du coup. Nicolas, Mine et la fibre d'hydro qui rentre au stand. Dû à tout ça. Yupki qui rentre au stand. Frostil qui rentre au stand. Qui a doublé Yupki. El Gringo qui rentre au stand aussi. Je pense que MTHM plutôt va faire de même. On a Lenny qui a fait un petit trou avec le podium. Lenny, attention à ne pas perdre la voiture aussitôt dans la course. La fibre d'hydro et Mine qui sont proches. On va pas se toucher une deuxième fois les gars. On passera pas à deux au château, vous le savez. Fallait freiner plus tôt. Fallait lâcher. Eh, hey, chaud qui se fait j'ai rien dit. Non, c'est Darn qui attaque Crando. Et Lenny qui vient signer le meilleur temps en tour, qui se rapproche un peu. Et Delta qui reviennent enfin. Oh la poussette. Oh Darn, fais attention. Et Crando qui se fait doubler par Darn. Il a plus de RS. Crando, il a tout tenté pour aller doubler chaud, mais c'est pas passé. Pour l'instant, on a Nicolas, la fibre d'hydro, Yupki, Hostile, MTHM. El Gringo qui sont rentrés une fois au stand et Mine qui a fait deux arrêts déjà. Ouais, Shaw qui s'envole tranquillement. Avec les pneus blancs qui plus est. Il est pas inquiété pour l'instant. Darn est à 3 secondes de lui. Et Lenny qui rattrape Darn et qui a doublé Crando, j'avais pas vu effectivement. Là pour l'instant elle est en toute maîtrise. Hein. Shaw, il n'y a pas de problème. Et Nicolas qui rentre au stand. Au de 4 tours avec des médiums, c'est étonnant. Elles vont casser. Devant la fibre d'hydro. Il n'y a pas eu de chance hein, pour l'instant. Ah bah. Nicolet qui fait un tout droit en sortie stand, ça c'est pas ouf. Voilà. Retour en piste mon cher Nicolet.
Bon, MTHM est passé sur Frostil. Et on a Lenny qui doit être dans le DRS de Darn, effectivement. Quand il a plus de RS, il va quand même aller attaquer. Et lui, j'irai pas. Ok, il y va quand même. Et il y allait Franco, par contre, il a plus de RS là, maintenant. Darn, ça va pas suffire pour Darn. Ça ne va pas suffire. Et Nicolait qui est juste derrière Frostil. Il va probablement aller le prendre dans le DRS. Sur quelle plateforme? C'est sur PC. Ouais, il va même le prendre avant le DRS. Au dépassement pour Nicolait. On va lui. Non, parce que Baku, la ligne droite est très très longue. Côte à côte au premier virage, ça passe tranquillement pour Frostil, ça va, c'est fair play. Là maintenant, il va se reprendre le DRS. Ouh, attention les deux. A pas trop tassé Frostil. En tout cas, Nicolas était repassé sur Frostil. Drapeau jaune, deuxième secteur. Frostil qui abandonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va pouvoir le voir sur la caméra de Del Gringo? Ce serait pas au château par pur hasard. Il a explosé sa voiture. Et la réaction à chaud du pilote français. Je me casse les couilles. Ça passe tranquillement pour Darn effectivement. Mais Lenny qui est pas très bête va aller prendre le DRS après. Oh attention Lenny. Il a failli empaler sa bagnole. Rando qui s'arrête déjà au stand pour enlever les pneus rouges. Bon, les pneus rouges qui sont pas une bonne solution pour durer. Et ça repart pas. Passe. Ok. Ça a mis du temps. Hein. Ouh, ça a touché. J'allais dire toujours en attaque ici. Ah, il a perdu un bout d'aileron. J'allais dire toujours en attaque ici, toujours en mode dépassement. Mais là, c'était trop d'attaque pour Lenny qui a perdu un bout d'aileron à gauche. Est-ce que ça va l'handicaper? C'est un gros bout d'aileron, ça on sait pas. Et il va être trop loin pour le DRS par contre. Erreur qu'il fallait pas produire, ça va rentrer au stand direct. Du coup, Lenny qui ressort juste derrière ByBlue. Et Pixel, Pixel qui fait une bonne opération hein, pour l'instant. Mauvais départ, mais il est quand même là. Mais hein. ByBlue, où va-t-il ressortir, sachant qu'il a quand même loupé 2-3 tours. Si ce n'est plus. Il ressort juste devant Nicolas, qui est en hard. 6ème position à la sortie des stands, bien. Le médium de Darn devrait tenir combien de tours? Ouais, il devrait pas tarder à s'arrêter, je pense. Parce que ça servirait à rien de sortir. Comment? De faire plus. Et le pilote que vous avez à l'écran qui s'est pris 5 secondes de pénalité. En plus de changement d'aileron. Là, on a Nicolas qui est juste derrière Yupki. Il va aller chercher tranquillement normalement. Je me trompe à chaque fois entre les touches, j'ai l'impression que c'est inversé par rapport à 2018. Il va tenir encore combien de temps? Je pense qu'il va s'arrêter vers le tour 16 ou un truc comme ça, tout droit pour Yupki.
va probablement attaquer dans la ligne droite. Même avant. Arrêt de Darn. Arrêt de Darn ? Non. Ah oui, Darn s'est arrêté, j'avais pas vu, effectivement. Et ouais, arrêt de Darn et de Pixel aussi. Et Darn qui ressort du coup à 26 secondes de show. Et Pixel qui ressort dans les points, qui ressort très large, surtout descendre. Il ressort en 8ème position pour Pixel. Lenny qui est juste derrière Darn qui s'est arrêté en blanc. Il n'a pas réussi à undercut du coup. Probablement à cause de l'aileron. Faut faire gaffe à tout ça. Et Shaw il gère super bien les hards. Ouais, visiblement il gère super bien les hards. Hein. Et puis s'il gère bien les hards, il va bien gérer les médiums. Hein. Il va finir très loin normalement. Il n'y a aucune erreur de la part de Shaw. Il est en train de dérouler là pour l'instant. Il n'y a plus de RS mais il déroule. Le RS en dépassement, j'imagine le carburant sur Rich. Darn qui défend pas, il a baissé son ERS. Et on a Crando qui est juste derrière Bay Blue. Ça va être un peu loin pour le RS malheureusement. Ouf, l'erreur. Ça a bloqué à l'arrière, ça l'a déstabilisé. Il va pas avoir le DRS à cause de ça. Ah, on a Shaw qui s'est arrêté. Je viens juste de voir ça. Du coup, il a fait 14 tours avec ses pneus. Il s'arrête tranquillement. Et il ressort bien évidemment en pneu jaune. Il restera 7 secondes de Lenny. Donc ça va être facile pour lui. Voilà qui... Il prend 5 secondes de pénalité, ça c'est con pour la rentrée au stand. Il va finir en jaune lui aussi. Il va pouvoir aller défendre D.B. White ou est-ce que Nicolas va avoir assez de puissance pour attaquer. J'ai pas l'impression qu'il veuille attaquer. RS2. Perso j'y serais allé. RS4, hein. Soyons joyeux sur les dépassements. Là pour l'instant ça ne passe pas pour... Pour Nicolite. Ah, un peu d'incompréhension des deux pilotes. Ici, peut-être au dernier freinage du circuit, oui. Et du coup, Davy White qui va avoir l'avantage. Mon cher Nicolite, je l'aurais pas dépassé ici perso. Allez, il est parti. Hein. Bam, DRS. Ça va passer pour Devil White. C'est un peu court quoi qu'il. Ouais, il y va. Il y va. Les gars, restez propres. Attention les gars, restez propres. Et Darn qui s'est pris 3 secondes sur Lenny. Malheureusement c'est un peu loin là, il va pas pouvoir aller chercher quelque chose de plus à la régulière. À moins que Lenny fasse un autre arrêt. Et des Will White qui a perdu 4 secondes en un tour pour Nicolite. 4 secondes. Il y aura Crando qui se prend une pénalité de 5 secondes pour vitesse excessive. Il s'arrête encore une fois, qui va mettre les rouges probablement. Ça m'étonne qu'il s'arrête autant. Ouais, il met les rouges. Et la fibre qui a plié sous la pression de Pixel. Pixel du coup qui prend 2 positions au lieu d'une. Bien joué à toi. Et Crando qui va ressortir largement 8ème. On a Nicolas qui a recollé à... Oula, je me trompe de touche, pardon. Qui a recollé à la fibre d'hydro. Les gars, la fibre d'hydro, c'est pas possible autrement. Il n'a plus d'aéron. Il n'a plus d'aéron, on l'a pas vu. Forcément rentré au stand. Pousser les pneus rouges pour la fin. Par contre, ouais.
À 8 tours de la fin, 7 tours de la fin, c'est assez dommage. Il y a Fibre d'Hydro qui repart juste derrière. Oh, ça fait des erreurs pour Yupki qui perd deux positions. Ça a freiné trop tard. Ah, c'est triste ça, quand même de faire des erreurs comme ça. Ah bah là ça fait des tout droits. Ah, il repère une position Yupki. Deux erreurs en un tour. Trois positions en moins. Bon, ça a été simple hein, pour la Fibre d'Hydro. On l'aura pas beaucoup vu aujourd'hui chaud. Il est en train de mener tranquillement cette course. Avec 15 secondes d'avance sur Lenny. D'ailleurs Lenny qui a presque 12 tours sur CM. Hein. Va falloir faire attention à ses pneus pour la fin de la course. Ça commence à devenir limite je pense. Sachant que Darn le rattrape en plus de ça. Et il va avoir des duels intéressants là, pour la fin de la course. Darn sur Lenny qui va probablement revenir. Oh, le DRS là. On aura la bataille pour la quatrième position entre Pixel, Nicolas et Bayblue. Bayblue qui va avoir probablement l'avantage. Pneu neuf, pneu rouge. Faut bien la jouer. Hein. Et Lenny qui rentre au centre. Bon, ça tient pas. Effectivement, ça tient pas. Et Nicolas qui va y aller sur Pixel probablement. Voyons ça de la caméra de Bayblue. Par contre, il va pas pouvoir y aller. Pixel qui se fait manger à la vitesse de pointe. Forcément. En DRS, c'est très vite fait. Attention, Bayblue. C'était osé quand même. C'était osé. C'était franchement osé pour Bayblue. Pixel qui va avoir le DRS. Faut y aller à fond là, Bayblue. Allez, faut y aller à fond. Par l'intérieur. Bien joué. Beau dépassement. Allez, Bayblue. Et en ERS 4. DRS qui va être ouvert. Ça va peut-être y aller pour Bayblue. DRS fermé et ERS 4 aussi pour Nicolas. Ça passe tranquillement. Pas de résistance à avoir. Ah, Crando qui a abandonné, non. Frérot, c'est une belle course jusque-là. Mais il s'est passé quoi? Comment tu peux abandonner ici, frérot? Well done, Baku. Le mur, il s'est déplacé, il lui a donné une claque, frérot. Alors, est-ce que Nicolas aura le DRS? Normalement, oui. Ah, peut-être pas. Non, il l'a pas. Ah, vraiment pas beaucoup. Hein. Ouais, effectivement, là, presque 2 secondes. Avec des pneus neufs rouges, ça me paraît logique. Bayblue qui bien défait du DRS, félicitations gros. Et son dernier tour, tranquillement, il aura tout mené. Sauf les deux premiers virages. Ouais, facile, chaud, hein, vraiment. Il a été facile. Normalement les positions vont être figées sur la piste, après faut voir avec les pénalités. Vu que je vous avoue que tout seul pour les calculer c'est chaud. Peut-être qu'il va se faire prendre un tour. Pour ne pas en faire un de plus. Félicitations chaud. Ça fait 25 points dans la poche. Allez, on a Darn qui va aller se présenter à la ligne d'arrivée aussi. Belle deuxième position, belle bataille avec Lenny. Dommage qu'il ait du pit une deuxième fois. Belle performance pour Darn aussi.
Félicitations à Lenny aussi qui a fait une belle performance. Il a eu beaucoup de survirages, je sais pas si c'est voulu ou pas dans son setup. Mais à des moments j'ai vraiment l'impression qu'il allait se prendre le mur et perdre beaucoup de temps. Ça va encore qu'on puisse pas casser l'arrière de la voiture à part en vraiment en donnant un gros coup. Mais félicitations Lenny. Et Bye Blue qui va tenir cette quatrième position, pied de podium pour lui. Il y a 5 secondes pour Nicolas. Est-ce qu'il va se faire doubler par Pixel? Je ne pense pas. Non, à 4 dixièmes. 4 dixièmes, c'était vraiment, vraiment proche. Je pense pas que les pénalités ont changé grand chose. Il n'y a que Nicolas qui s'est pris des pénalités. Je sais que quelqu'un d'autre s'était pris une pénalité. Mais. Deville, voilà. Deville qui s'est pris une pénalité. Plus de personnes. Ils ont tous effectué dans les stands. À part Nicolas. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu sur le live. On va s'arrêter là, nous.